On commence? Samsara davana lalitya loka tranaya karunya gna gnata samsara davana lalitya loka tranaya karunya gna gnata tasya kalyana gunana vasya Vande Guru Shri Charanaravinda Natasya Kaya Nagunaya Vasya Vande Guru Shri Charanaravinda Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vajitya Madhyan Manasura Sena Mahaprabhu Kirtana Gita Vajitramajana Surasena Omancha Kampa Sutaranga Vajo Vande Kuroshi Charanara Vinda Omancha Kampa Sutaranga Vajo Vande Kuroshi Charanara Vinda Shivikra Shingaratana Mandira Marjanada Shri Vigraha Dhanana Nityanana Shingaratana Mandira Marjanada Tasya Bhakta Nishchaninda Topi Vande Guru Shri Charanara Vinda Yukasya Bhakta Nishchaninda Topi Vande Guru Shri Charanara Vinda Chaturvida Shri Bhagavat Prasada Svadvanna Tripta Hari Bhakta Sankha Vidashi Vata Saram Svadvana Tripta Hari Bhakta Sangha Vipraiva Tripti Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanara Vinda Vipraiva Tripti Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Matavayora para Maturya Lila Gunarupa Namna Lila Matavayora para Maturya Lila Gunarupa Namna Datikshana Svadana Lulupasya Vande Guru Shri Charanara Vinda 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 Satsang with Mooji
Yutastata Bhagyata Eva Sati Shashakari Deva Sati Yutastata Bhagyata Eva Sati Inkuta Borya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanara Vindam Inkuta Borya Eva Tasya Vande Guru Shri Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagati Kutopi Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagati Kutopi Yayastu Vamstasya Yashastri Sankhya Vande Guru Shri Chadanara Vinda Yayastu Vamstasya Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Namah Om Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Jayurasamathava Kunja Vihari Jayurasamathava Kunja Vihari Jayurasamathava Kunja Vihari Gopijana Balaka Girivara Thaji Gopijana Balaka Girivara Thaji Gopijana Balaka Girivara Thaji Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Kirana Chari Yamuna Kirana Chari Yamuna Kirana Vanachari, Yamunachira, Vanachari, Jaya, Radha, Madhava, Kunja Vihari, Jaya, Radha, Madhava, Kunja Vihari, Jaya, Radha, Madhava, Kunja Vihari, Jaya, Radha, Madhava. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shaktur Mayurta Dhamma Ki Jai Shri Jagannath Shibala Dev Shimati Supadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Jishi Goranga Nitai Goshai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Patit Pavana Ki Jai Tul Kulabha Devuda Sampe Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Janandana Sadakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shri Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gurangi Rathe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Shaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Karuna Seva, Nasseva, Nasseva, Gati. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 C'était le 32, verset 32. Je vais lire ça très exactement. Ok. Matir vidushita devai. Patabhir asahishnubhi yonarada vachas tatyam nagraha hisham asattamah. Traduction. Parce que les devas qui habitent des systèmes planétaires supérieurs devront choir de leur position. Ils m'envient tous d'avoir accédé à Vaikuntha Loka par le service de dévotion. Ces devas intolérants ont dissipé mon intelligence. Et c'est l'unique raison pour laquelle j'ai pu accepter la bénédiction pure que représentaient les instructions du sage Narada. Le nom est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami. Les écritures védiques montrent au moyen de nombreux exemples. Lorsqu'une personne accomplit de rudes austérités, les devas s'en trouvent fort contrariés, car ils ont toujours peur de perdre leur poste de deva maître des planètes et des lignes. En effet, ces devas n'ignorent pas que la position qu'ils occupent dans le système planétaire supérieur reste précaire, comme l'ancienne le 9e chapitre de la Bhagavad Gita, Chinepunye Martyam Lokam Vishanti. C'est ainsi que la Bhagavad Gita déclare qu'après avoir épuisé les fruits de leurs actes de piété, tous les devas qui résident dans le système planétaire supérieur doivent revenir sur la Terre. Les devas régissent toutes les activités des différentes parties de notre corps, c'est là un fait établi. En vérité, nous ne sommes pas maîtres du battement de nos paupières. Tout s'effectue sous la direction des devas. Louvre Maharaj en conclut que ces devas, en vue de sa position élevée dans le service de dévotion, avaient conspiré contre lui pour souiller son intelligence. Ainsi bien qu'il fût le disciple d'un grand Vaishnava tel que Narada Muni, il n'avait pu se conformer aux instructions précieuses de ce dernier. Maintenant, Dhruva Maharaj regrettait beaucoup d'avoir négligé ses recommandations. Pourquoi te préoccuper des insultes ou des éloges de ta belle-mère ? Lui avait demandé Narada Muni, entendant par là que, de toute évidence, du fait que Dhruva n'était qu'un enfant, il n'avait pas à être affecté par ses insultes ou ses compliments. Je te pêche ? C'est bon ? Merci. Donc, nous sommes toujours dans l'épisode où Dhruva Maharaj est resté seul après avoir eu une conversation avec Shirodakasha Vishnu, Seigneur Suprême. Dans quel état se trouvait à ce moment Dhruva Maharaj? Il était dans un état très très perturbé parce que il avait une sensation qu'il a perdu une chance. Il a pu obtenir quelque chose vraiment supérieur, mais à sa place, il a demandé au Seigneur Suprême quelque chose.
Guru Maharaj par son acte avec qui a demandé juste de rire. Donc, il regrette aussi beaucoup qu'il n'a pas pu écouter les instructions de son maître spirituel Narada Muni. C'est pour ça qu'en fait, à cause de ça, sa conscience a été contaminée. C'est très difficile, en fait, comprendre que les instructions de maître spirituel nous protègent. Nous pensons que le maître spirituel, il donne des instructions juste parce qu'il a cette position, c'est son devoir, il est obligé de donner des instructions, etc. C'est pas comme ça en réalité, parce que quand on s'abandonne au pied pareil au lotus de notre maître spirituel, on trouve un refuge. Et si on trouve un refuge, cela veut dire que notre maître spirituel, il nous protège. Et il nous protège comment? Il nous protège par ses instructions. Mais malheureusement, beaucoup de disciples, ils pensent qu'ils n'ont pas vraiment besoin des instructions de leur maître spirituel parce qu'ils savent ce qu'il y a à faire, etc. etc. Et puis, même quand un maître spirituel dit les instructions, il ne prend pas sérieux. Pas sérieux, et c'est là où notre conscience est contaminée. Quand on n'applique pas les instructions du maître spirituel, nous perdons en fait cette protection. Nous perdons cette protection. Et ici, dans la situation de Guru Maharaj, en fait, à la fin de sa situation, quand il a pu obtenir le bien matériel incomparable, okay, sa conscience est devenue un peu contaminée. Donc, il a perdu un peu, il a perdu la protection de son maître spirituel, Narada Muni. Mais Krishna lui a accordé sa propre protection. Pourquoi? Parce que Krishna aime Narada Muni. Ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. Voilà pourquoi n'importe qui ne peut pas donner. N'importe qui ne peut pas devenir un maître spirituel. Le maître spirituel authentique, c'est celui qui est très cher à Seigneur Suprême. C'est le cas de Dhruva Maharaj. Il était complètement. Cette déception, en fait, engloutit Dhruva Maharaj parce qu'il a compris que dès le départ, si vous vous souvenez, dès le départ, Narada Muni, son maître spirituel, lui a proposé le chemin de bhakti, de pure bhakti. Et il a dit, bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse, tout ce que tu dis c'est vrai, c'est bon, mais je suis un kshatriya, donne-moi la possibilité juste et honnête pour que je puisse atteindre mon but. Et son but était avoir un royaume incomparable, plus grand que le royaume de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père. Et donc, en fait, tous les efforts qu'il faisait durant ces 6 mois, Dhruva Maharaj, en fait, faisait son sadhana bhakti. Et le motif, petit à petit disparaissait. Ok, mais il restait en fait. Ce motif restait durant toute son sadhana bhakti, le motif restait toujours dedans. Et à la fin, quand Krishna lui a accordé en fait sa miséricorde, il a dit que tu peux bénéficier en fait comme cadeau une planète entière, et cette planète est spirituelle
impérissable, c'est ma propre planète, tu peux devenir souverain de cette planète. Ça veut dire que je t'ai accordé plus que tu voulais. Donc, il est parti. Et Dhruva Maharaj a vu qu'en fait, cette déception qui arrive, comme on a parlé vendredi dernier, c'est qu'il a fait quelque chose qui n'était pas destiné pour recevoir une planète spirituelle, mais Krishna lui a accordé la meilleure chose pour corriger en fait son désir. Chaque fois quand un dévot qui est sincère, honnête, pour telle ou telle raison, fait une mauvaise demande, on peut dire, à Krishna, Krishna lui donne quelque chose spécial pour que ça lui aide de sortir de cette illusion. Donc, par exemple, les demi-dieux, ce sont des purs dévots, mais quand même, dans leur cœur, quelque part, il y a un désir matériel contrôler cet univers. Krishna dit « Ok ». Il pouvait, par exemple, leur donner des planètes, des trucs comme ça, mais pas la position des demi-dieux. Parce qu'il suffit qu'il leur donne la position des demi-dieux, ils deviennent tout de suite les membres de corps de Seigneur Krishna. Ils agissent comme des dévots, ils agissent dans le cadre de services dévotionnels. Donc ça, en fait, ils font ce qu'ils aiment bien faire, mais c'est dans le cadre de bhakti, de service dévotionnel. Ça, c'est exceptionnel, en fait, ce que Krishna peut faire. Et là, Krishna, lui, a rendu, en fait, aussi la position d'un empereur, okay, mais il l'a mis aussi dans la situation de service dévotionnel. Au départ, Dhruva Maharaj n'a pas compris, en fait, pourquoi Krishna lui a rendu en même temps sa position de roi de l'empereur. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Mais après, Maitreya Muni explique ici les réflexions de Dhruva Maharaj, pourquoi en fait il petit à petit en réfléchissant, il a fait un bilan qu'en fait Krishna lui a donné la position de régner sur ce monde et il va le faire comme service dévotionnel. Ça veut dire que Krishna nous met toujours dans telle situation qui est propice pour nous. Mais nous, parce qu'on n'a pas assez de foi, on n'est qu'un nishtha, notre foi n'est pas stable, nous pensons que, ouais, pourquoi Krishna ne m'aime pas? Tout le monde a des appartements, génial, mais nous, on n'a pas. Tout le monde est en bonne santé, moi, je suis malade, etc., etc. Tout le monde est parti au festival, moi, je reste à la maison. Pourquoi Krishna ne m'aime pas? Ça, c'est une mauvaise façon de penser. Parce que nous pensons que Krishna peut avoir un ennemi. Impossible. Est-ce que vous pouvez considérer l'ennemi d'une graine de poussière que vous pouvez facilement prendre et mettre quelque part? Non. L'ennemi, c'est celui qui peut résister à vous. L'ennemi, c'est celui qui peut contredire, qui peut vous dépasser, etc., etc. Mais est-ce que Krishna a quelqu'un qui peut le dépasser, de le nuire, etc., etc.? Il n'y a personne. Donc, c'est pour ça que Krishna n'a aucun ennemi. Aucun ennemi. Et si Krishna m'a donné une maladie, et pourtant j'ai rien fait, c'est par la miséricorde. Parce qu'il veut que je reste à la maison ce jour-là, parce qu'il sait que si je ne suis pas là ce jour-là, je vais partir je ne sais pas où, et je vais faire des péchés ou des choses que je ne devais pas faire. C'est pour mon bien, où il s'arrange pour ce que je tombe malade, pour que je reste chez moi et je laisse chez moi pas. Donc, chaque chose que Krishna fait pour son dévot,
Il le fait pour le bien de son dévot. Mais le problème, c'est que notre foi est tellement faible qu'on commence à penser, oui, c'est pas juste. Pourquoi tout le monde a eu une initiation, moi j'ai pas eu une initiation, c'est injuste et pourtant je fais ça. Il faut jamais penser comme ça. Krishna nous met toujours dans les meilleures conditions. Des fois il nous met dans des conditions difficiles, des fois très difficiles. Pourquoi? Pour qu'on fasse des efforts pour sortir, par exemple, de Tamaguna ou de Rajaguna, parce que sinon s'il nous laisse en fait dans tamas, le tamas va nous engloutir et on va oublier complètement le service dévotionnel. Par erreur, les dévots souvent cherchent le confort. Mais le confort dans la vie d'un dévot doit être vraiment minimaliste, très, très minimaliste, parce qu'il suffit d'avoir plus de confort qu'il faut. Nous tombons dans tamas. Et tamas, en fait, c'est une barrière, c'est un obstacle. C'est un obstacle très fort qui nous empêche de pratiquer notre bhakti. Pourquoi? C'est pas parce que bhakti est faible, pas pour ça. C'est que, en fait, nous sommes faibles. Notre foi est faible. C'est pas le bhakti. Ça en fait nous coupe l'envie de s'engager dans le service dévotionnel. Ça c'est très important. Parce que bhakti est tellement fort qu'on peut pratiquer bhakti dans n'importe quelle condition. Même par exemple Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix, à ce moment-là, il continuait à pratiquer son service dévotionnel, il continuait à faire le bhakti. Il était immobile, etc. Il continuait à faire son bhakti. Okay. Quand est-ce que nous arrêtons de pratiquer bhakti? Au moment, quand le désir de pratiquer bhakti disparaît. Et ça, c'est à cause de Tamaguna. Vous allez voir dans les versets suivants comment Dhruva Maharaj justifie en fait ses propos. Atmarama, est-ce que tu as lu le 33? Verset 33. Ainsi se lamentait Dhruva Maharaj. Je subissais l'influence de l'énergie illusoire et, dans mon ignorance de la réalité, je dormais dans ses bras. Sous l'emprise de la dualité, je considérais mon frère comme mon ennemi et mon cœur fourvoyé se lamentait en pensant, ce sont mes ennemis. Verset 34. Il est très difficile de satisfaire le Seigneur, mais bien que j'ai su plaire à l'âme suprême de tout l'univers, je n'ai sollicité que des choses vaines. Mes efforts étaient tout aussi inutiles que les soins que l'on donnerait à un individu déjà mort. Quelle infortune est la mienne! J'ai rencontré le Seigneur suprême, lui qui peut trancher le lien qui nous attache au cycle des morts et des renaissances, et pourtant j'ai demandé dans mes prières à connaître encore une fois ces mêmes conditions d'existence. Donc, Dhruva Maharaj dit que il était sous l'influence de l'énergie matérielle, de l'énergie d'illusion. Vous savez qu'il y a cinq types de tamas, cinq types d'ignorance. Le premier est, c'est quand on pense que moi j'existe, Dieu n'existe pas. Ça, c'est le plus grave ignorance que l'homme peut appliquer dans sa vie. Deuxième principe de l'ignorance, c'est que avec la mort, avec la disparition de ce corps, moi je disparais aussi.
Ça, c'est une autre grave erreur. Troisième, c'est que je pense que l'âme n'existe pas. Quatrième, c'est quand je pense que je suis ce corps. Et le cinquième, qui est le bilan de tous les quatre, c'est que je pense que si je suis ce corps, donc je dois gratifier mes sens pleinement à fond, sans limite. Donc ici, Guru Maharaj pense de ce type d'illusion, cinq types d'illusions, et il dit que à cause de cette illusion, je pensais que mon frère est mon ennemi. Et maintenant, je regrette beaucoup. En fait, quand est-ce que quelqu'un devient un ennemi? Vous savez, quand notre concept de vie est la gratification des sens. Prahlad Maharaj, il dit que l'enseignement que je reçois à l'école de mes maîtres, cet enseignement a un grand défaut parce que si je suis cet enseignement, il faut que je dise ça c'est mes amis et ça c'est mes ennemis. Ceux qui m'aident à gratifier mes sens, c'est mes amis. Ceux qui me dérangent à gratifier mes sens, ce sont mes ennemis. Okay? Voilà pourquoi cette idée existentielle, quand on pense que le but de la vie, c'est prendre plaisir, gratifier les sens, etc. Ça, c'est quelque chose de très grave, parce que c'est à cause de cette idée-là qu'on divise la société en ennemis et ennemis. Quand il y a dans une société, il y a des amis et ennemis, sûrement il y aura des conflits, des querelles et des problèmes. Donc même si on a tout ce qu'on veut, le problème ne sera pas résolu. Il y a des gens qui pensent que pour être heureux, il ne faut pas avoir juste beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand ils ont beaucoup, beaucoup d'argent, ils pensent que ce n'est pas assez, il faut avoir beaucoup plus d'argent pour être heureux. Et quand ils ont encore 10 fois plus d'argent, ils pensent que non, pour être heureux, il faut avoir encore plus d'argent. Donc, autrement dit, ils ne vont jamais être heureux. Jamais. Parce qu'il y a déjà... l'argent n'est jamais suffisant. Pourquoi? Parce que dans leur concept, il y a toujours un ennemi invisible qui tourne, un ennemi invisible. Et cet ennemi invisible, c'est la concupiscence. Quand on veut posséder quelque chose. Et paf, il y a quelqu'un qui va nous empêcher de posséder quelque chose. Il y aura toujours quelque chose qu'on ne peut pas posséder. Par exemple, vous avez tout l'argent du monde, vous pouvez tout acheter ce que vous voulez, mais c'est faux, parce que vous ne pouvez pas acheter la Joconde, parce qu'elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre. Ou par exemple, vous avez tout l'argent, vous pouvez acheter n'importe quelle fille, mais il y en a une qui va dire, je m'en fiche, je préfère mourir, je ne vais pas devenir ta femme. C'est tout. Donc, il y aura toujours. Et qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser que le conservateur du musée de Louvre qui a refusé de me vendre la Joconde est mon ennemi. Cette femme qui refuse en fait ma compagnie est mon ennemi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éliminer. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire éliminer un ennemi? Ça veut dire aller contre la société. Aller contre la société, contre les êtres vivants, etc. Pourquoi? Pour mon plaisir individuel, pour mon plaisir égoïste. Donc, tout ça, en fait, Dhruva Maharaj a compris au moment quand il n'avait plus ni son maître spirituel à côté, ni Seigneur suprême. Il a vu les deux, et maintenant il a compris qu'il n'a pas profité de l'enseignement de son maître spirituel, et
il n'a pas profité de cette occasion que le Seigneur suprême était avec lui et il a demandé n'importe quoi. Et il dit dans le verset 34, il dit que je lui ai demandé les mêmes conditions que j'avais avant. Ça, c'est exceptionnel comme phrase. Pourquoi? Parce que on a dit, avant, il était juste un prince. Et maintenant, il est l'empereur. Et est-ce que c'est les mêmes conditions? Pourquoi Dromaraj dit que c'est les mêmes conditions? Pourquoi il dit? Parce que toutes les situations dans ce monde matériel, ce sont les mêmes. Par exemple, karma nous amène des résultats entre guillemets positifs ou des résultats entre guillemets négatifs. Ça veut dire, des fois, c'est agréable, les résultats de nos actes sont agréables, des fois, les résultats de nos actes sont désagréables. Mais au final, les deux se terminent. Les deux se terminent, voilà pourquoi ils s'égalisent. C'est pour ça que Maharaj m'a dit, j'ai demandé les mêmes conditions. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence avant et maintenant, après. Voilà pourquoi, en fait, l'homme qui veut améliorer les conditions de sa vie, il doit seulement penser à une seule chose. Est-ce que si je change ou je améliore les conditions de ma vie, est-ce que ça va m'aider à mieux servir Seigneur? Si c'est oui, je change. Mais Dhruva Maharaj ici dit que les conditions sont changées, mais moi je suis resté. Donc, voilà pourquoi en fait nous devons comprendre qu'il ne faut pas inutilement changer les conditions de vie si ça ne va pas améliorer le service dévotionnel. Si le contraire, les conditions de vie améliorent la gratification des sens, ça veut dire qu'on vit encore mieux pour gratifier le sens. Par exemple, on avait un canapé qui était un peu serré, un peu dur, etc. On a jeté, on a acheté un grand canapé. On peut se mettre comme ça et tout de suite, le temps ça. Et ça nous empêche, en fait, ça nous empêche de pratiquer la conscience Krishna, ça nous empêche de servir Krishna. Voilà pourquoi, en fait, on doit être très, très prudent quand on veut, quand on manifeste ce désir d'amélioration des conditions de vie. En effet, l'amélioration des conditions de vie, c'est égal de désir de bhakti, en réalité, de vrai. Parce que sinon, pourquoi je dois améliorer? En fait, améliorer les conditions de vie, ça ne veut pas dire avoir plus d'argent, un appartement plus grand, des vêtements plus chics, la cuisine plus performante. Non. C'est une mauvaise compréhension de pratique. Donc, je vais vous lire un verset Krishna Das Kaviraj Goswami il donne dans Chaitanya Charitamrita. De ce verset, c'est 6220. Antialila 6220. Antialila 6220. Donc, Krishnadas Kaviraj Goswami dit, le renoncement de ce monde, c'est le principe le plus important sur lequel est basée la vie de suiveur de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Seigneur suprême Chaitanya Mahaprabhu est très content quand il voit que ses dévots sont libres de l'attachement à ce monde matériel. Donc, et en fait,
ce verset est dans le contexte de rencontre de Sri Chaitanya Mahaprabhu avec Raghunath Das Goswami, un grand sage et un grand ascète et un pur dévot et suiveur de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En fait, Raghunath Das Goswami, lui aussi, il améliorait les conditions de sa vie pour avoir plus de bhakti. Il était infiniment riche. Il avait une femme tellement belle que tout le monde l'enviait. Les parents pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Mais justement, ses conditions de vie lui empêchaient de pratiquer bhakti comme il voulait. Et pour améliorer sa vie, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui de la maison. Il a laissé toute cette richesse et il est parti vivre dans une petite cabane à Chaitanya. Donc, on peut dire que, oui, il a empiré les conditions. Non, il a amélioré les conditions. Et là-bas, il prenait le prasad que les dévots donnaient, le reste de l'assiette de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mais peu de temps après, il voulait encore améliorer les conditions de vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de manger ce prasad. Il allait, il mendiait, en fait, pour que les gens offrent un peu de prasad qui reste. Après, il a encore amélioré les conditions de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de mendier. Il allait dans près de fossés où on jetait le prasad périmé, qui sentait tellement mauvais que même les vaches ne mangeaient pas. Il prenait un peu de riz, il le lavait bien et après il mangeait ça. Donc on peut dire que bon, il a encore empiré les conditions. Donc, il a amélioré les conditions de sa vie. Pourquoi? Parce que le but, en fait, et l'idée d'amélioration de conditions de vie, c'est pouvoir avoir plus de désir vers le bas. Si on achète une nouvelle table, on achète pour vouloir plus servir Krishna. Si on jette une table qui est très bonne, on le jette pour pouvoir avoir le désir de servir plus Krishna. C'est ça l'idée en fait. Comment on peut savoir est-ce que notre conduite est bonne ou mauvaise? C'est toujours vérifier le désir de servir Krishna. Quand ce désir apparaît, c'est bon. Par exemple, si vous portez un chapeau qui pèse 3 kilos et tout de suite ça vous donne envie de faire bhakti, portez ce chapeau. Je ne sais pas, si vous mettez la crème fraîche sur le visage et vous sortez et tout de suite vous avez l'envie de prêcher, vous avez envie de crier Krishna, Krishna, faites-le. Ça, c'est dans les règles et prescriptions. Vous n'allez pas vous tromper. Ça, c'est le principe comment on peut, en fait, améliorer les conditions. Ça veut dire nous avons le désir de servir Krishna. Ça, c'est le symptôme qui nous montre, en fait, nous sommes sur le bon voie ou nous sommes sur le mauvais voie. Mauvaise voie. Donc ici, Dhruv Maharaj dit, moi, j'ai demandé quelque chose de plus, mais c'est comme si j'ai demandé les mêmes conditions que j'avais avant. Parce que le désir de servir Krishna est le même qu'avant. Mais en réalité, vous savez vous-même que la rencontre avec maître spirituel, la rencontre avec Sri Krishna ne peut pas passer sans laisser des traces. Quand on rencontre maître spirituel, quand on rencontre Krishna, toujours il y a purification. Donc, mais Dhruva Maharaj est très sévère avec lui-même. Il ne veut pas voir des choses en son profit. Il veut toujours voir des choses au profit de Krishna.
Et tout son discours veut dire au final, qu'est-ce que j'ai demandé pour Krishna? Rien. Tout ce que j'ai demandé pour moi-même. C'est pour ça qu'il se lamente ou lamente? Se lamente. Se lamente. Donc le verset 36. Et 35. 35, tu me connais? Non, 35, 36. Verset 35. Dénué de toute intelligence, n'ayant pas d'acte de piété à mon actif, je désirais la prospérité, les honneurs et le renom matériel, bien que le Seigneur m'ait offert de le servir personnellement. En cela, je suis comme un pauvre diable qui a su plaire à un puissant empereur et qui, lorsque celui-ci lui promet de satisfaire n'importe quelle requête de sa part, ne demande dans son ignorance que quelques grains de riz décortiqués. Verset 36. Le sage Maitreya poursuivit. Mon cher Vidura, les êtres tels que toi, purs dévots des pieds pareils au lotus de Mukunda, la personne divine qui peut accorder la libération, et qui sont toujours attachés au miel du lotus de ses pieds, sont perpétuellement comblés de servir ainsi le Seigneur. Ces âmes demeurent satisfaites de leurs conditions, quelles qu'elles soient. Aussi, ne demandent-elles jamais au Seigneur de leur accorder la prospérité matérielle. Donc, on peut dire qu'on a pratiquement commenté ces deux versets. Mais juste, je vais juste ajouter quelques petits détails. Dans le verset 35, Dhruva Maharaj il dit que finalement, Seigneur suprême m'a donné la possibilité de pratiquer le service. Comment? Il est apparu. Quand Seigneur suprême apparaît devant nous, tout de suite, nous avons la possibilité d'appliquer le pacte. Ça, c'est quelque chose de primordial à comprendre. En fait, pour être en processus de bhakti, il faut que Krishna soit présent. Si Krishna n'est pas présent, quoi qu'on fasse, ce n'est pas pacte. Okay? Dès que Krishna apparaît dans notre activité, son apparition dont l'accès. Vous ne pouvez pas faire bhakti sans avoir Krishna. C'est impossible. Ça sera un seva, un service. Beaucoup. Comme une mère qui sert son fils qui sert ses parents, un employé de banque sert son patron, etc. Ou dans un café, le servant il sert le repas, etc. Ça, c'est un seva, ce n'est pas pratique. C'est juste un service. Tandis que pratique, c'est un service dévotionnel qui est lié, en fait, avec Seigneur suprême, Shri Krishna. Vous ne pouvez pas appeler pratique, par exemple, les choses, le service ou les mêmes choses extérieurement qui ressemblent à pratique. On ne peut pas appeler pratique si Krishna n'est pas présent. Par exemple, il peut dire, bah oui, moi je sers mes parents avec amour et dévotion. Ce n'est pas un pratique parce que avec les parents, nous avons, par exemple, bon, ça peut être le frère, ça peut être soeur, ami, etc. Même si vous êtes très sincère, même si vous êtes dévoué à ces gens-là, ça ne sera jamais un pratique. Pourquoi? Parce que les relations avec, par exemple, moi et mon ami, c'est une relation conditionnelle. Pourquoi? Pourquoi il est mon ami? Parce qu'il m'aide pour gratifier mes sens. Mais si demain, il va me critiquer, est-ce qu'il va rester sur ma liste de mes amis? Non, il sera barré tout de suite. Donc, mon amour envers lui, c'est conditionnel. Je l'aime jusqu'au moment quand il commence à me critiquer. Les conditions sont comme ça. OK? Mais avec Krishna, en fait, quand il y a une relation d'amour établie avec Krishna, ce n'est pas conditionnel, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Krishna peut me donner une maladie, je continue d'aimer.
Krishna peut me mentir, je continue l'aimer. Peu importe les conditions, en disant Srimad Bhagavatam, on a plein de preuves comment l'amour vers Sri Krishna est inconditionnel. Et dans Shiksha Ashtaka, Sri Chaitanya Mahaprabhu dit avec la bouche de Srimati Radharani, il dit, tu peux m'embrasser très brutalement et me faire mal, mais quand même tu vas rester mon Seigneur éternel, seul objet de mon amour. Donc, c'est ça en fait le bhakti. Le bhakti est inconditionnel, tandis que dans les relations avec les autres, c'est conditionnel. Par exemple, quand un enfant commence à faire des bêtises, etc., après les parents commencent petit à petit le corriger. Après, quand il commence à faire de grosses bêtises, il le rejette. Il change les serrures et il dit voilà, qu'est-ce que tu veux, etc. Donc l'amour s'arrête. Ou par exemple, quand on trahit quelqu'un, par exemple, dans un couple, si la femme ou l'homme n'est pas fidèle, etc., l'amour s'arrête et le service s'arrête. C'est pour ça que ça, c'est juste un séva, c'est pas un pratique. Parce que pratique, le service dévotionnel, il est inconditionnel. Donc, tout type de relation dans ce monde matériel est conditionnel. Il suffit de dépasser les conditions, cette relation est brisée tout de suite. Donc, pour que le bhakti se passe, comme nous l'avons dit, il faut la présence de Krishna. Et Dhruva Maharaj, il regrette profondément, il dit, mais j'avais cette possibilité, le Seigneur suprême était devant moi, à la place de le servir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé des choses absolument inutiles que j'avais déjà. Peu importe, à la place de 1000 euros, j'avais 10 000 euros ou 10 millions d'euros, ça ne change rien parce que c'est les mêmes conditions au final. C'est les mêmes conditions au final. Il a dit que j'ai raté en fait cette occasion. Mais en réalité, ces paroles sont comme ça parce qu'il est un pur dévot et un pur dévot pense toujours que tout ce qu'il fait pour Krishna, ce n'est pas assez. Donc, c'est le cas de Dhruva Maharaj. En réalité, si vous vous souvenez, quand Krishna est apparu devant lui, il a commencé à glorifier le Seigneur Suprême. Hein? Et vous savez que la glorification du Seigneur Suprême, c'est une des formes de pratique, une des formes de service dévotionnel. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il glorifiait le Seigneur Suprême. Glorifiait le Seigneur Suprême. Donc, et pourquoi? Parce que son maître spirituel lui a pris ça. Et Krishna, dans le cœur de Dhruva Maharaj, il a ouvert en fait la connaissance de Krishna. C'est pour ça que dès qu'il est apparu, il a présenté ses hommages. En fait, c'est aussi une forme de bhakti. Il a contemplé le Seigneur Suprême, c'est aussi une bhakti. Et il glorifiait le Seigneur Suprême, c'est aussi un bhakti. Mais aussi il a un peu continué, il a écouté les paroles de Krishna. Shravanam, c'est aussi un bhakti. Kirtanam, il a chanté son nom. Bref, en fait il était dans le bhakti, mais parce que Devo pense que c'est pas suffisant parce que le Seigneur Suprême mérite de plus. Tout ce que je fais, c'est comme si j'ai rien fait. Et c'est pour ça que Dhruva Maharaj il dit que j'ai raté l'occasion. Mais en réalité, il a servi. Donc, est-ce qu'on a lu le verset 36? Okay. Donc, ici, Maitreya Muni dit que, en s'adressant à Vidura, parce qu'en fait,
l'histoire de Dhruva Maharaj, on entend pendant la conversation entre le sage Maitreya Muni et Vidura, au niveau de Krishna. Et il donne un exemple, il dit que les purs dévots comme toi, oh Vidura, ils boivent le nectar qui sort de pieds pareils au lotus du Seigneur suprême, et ce genre de purs dévots, ils sont toujours contents. Ils sont toujours contents et ils ne demandent jamais de bien matériel. Donc, demander un bien matériel à Seigneur suprême, c'est une des causes pour laquelle on s'adresse à Seigneur suprême. Vous savez qu'il y a quatre situations dans lesquelles on s'engage dans le service dévotionnel, on s'adresse à Seigneur suprême. Le premier, c'est quand on est souffrant et on voit que personne au monde, ni moi-même, ni les autres, ne peuvent pas résoudre et enlever cette souffrance. Et seule chose, ce dernier secours, c'est Seigneur suprême. Dans les cas pareils, on s'adresse à Seigneur suprême. Deuxième cas, c'est quand on veut avoir la gratification des sens. Et il y a quelque chose qui nous empêche de l'avoir. Okay. On voit que même en travaillant 10 fois plus, on n'arrive pas à obtenir la gratification des sens au début. Donc, personne d'autre ne peut pas nous donner. On s'adresse pareil à Seigneur suprême. Troisième, c'est la curiosité. Quand le monde matériel devient très banal, inintéressant, etc. Et à un moment, quand on entend le Krishna, on dit, oh, tiens, c'est intéressant. Et cette curiosité, en fait, nous engage dans le service dévotionnel parce que le processus de bhakti commence à devenir intéressant. On dit, je vais essayer de chanter avec Krishna pour voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être c'est cool, je vais essayer. Par curiosité, il prend le japa, il commence à chanter avec Krishna. Bon, c'est cool. Et après, bon, et si je deviens végétarien, je vais voir par curiosité qu'est-ce que ça va donner. Donc, il devient végétarien, il voit que ça fait du bien. Bon, c'est cool. Et si je lis un peu Bhagavad Gita, ça, c'est le troisième cas, en fait, qui peut nous engager dans le service professionnel. Et le quatrième cas, c'est le cas quand on a lu tout, on a étudié tout et on n'a pas compris ce qui est la vérité absolue. Parce que tout ce qu'on nous a montré comme vérité absolue, c'est la vérité, mais relative, mais pas absolue. Tous les concepts proposés par les philosophes, par les scientifiques, etc. Ils sont applicables partiellement et ils sont dans des catégories de vérité relative. Pourquoi relative? Parce que dans certaines conditions, ça marche, dans certaines conditions, la même chose ne marche pas. Tandis que l'absolu, hein, il n'est pas relatif. La vérité absolue, Krishna, n'est pas relatif parce qu'il est dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances, il est toujours absolu. Et il est toujours applicable à 100%, pas partiellement, mais à 100%. Donc, le cas de Dhruva Maharaj, c'était qu'il voulait obtenir un bien matériel mélangé avec un peu de désir de libération de souffrance. Très peu, une petite nuance, parce qu'en fait, il était blessé par les paroles de sa belle-mère et il souffrait un peu. Okay? Mais son vrai désir, c'était comme une solution, il voulait avoir un bien matériel énorme pour en fait résoudre tous les problèmes qu'il avait. Mais ici, Maitreya Muni, il dit que aucun bien matériel ne peut résoudre notre problème. Jamais
Il dit, voilà pourquoi les purs dévots, ils ne demandent jamais quelque chose de matériel au Seigneur suprême. Qu'est-ce qu'ils demandent, les dévots? Ils demandent la possibilité de le servir. Ça, c'est le plus important. Dans Hare Krishna Mahamantra, on chante Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Qu'est-ce qu'on demande? On demande à Krishna pour qu'il nous donne la possibilité de le servir, de faire plaisir. Ça, c'est le sommet, en fait, de relation entre un être parfait comme Sri Krishna et un être imparfait comme nous. Comme, tout de suite, dans cette relation, en fait, dans cette relation, tout de suite, en fait, nos imperfections commencent à partir grâce à la présence des perfections de Sri Krishna. Comme par exemple, un enfant, il ne sait pas cuisiner, mais quand la maman qui sait bien cuisiner est à côté, toutes les imperfections de ce mauvais cuisinier sont rattrapés par la perfection de celui qui est parfait. Donc, pareil, en fait, l'homme devient parfait seulement, pas parce qu'il est riche, il est fort, etc. L'homme devient parfait seulement quand il est en relation avec Sri Krishna. Donc, il bénéficie de toutes les perfections. Chanter Hare Krishna deux secondes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Allez, chers dévots, Hare Krishna, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Si, on utilise.
Est-ce que c'est, il a un lien quand même dans le corps? Est-ce que c'est totalement différent? Parce qu'on dit membre du corps, ils sont membres du corps du Seigneur Michel, ils sont membres de. En sanskrit, il y a plusieurs mots qu'on utilise pour définir le corps. Par exemple, ça peut être le mot atman, qui signifie en même temps l'âme. Pourquoi on dit atman, on utilise comme corps? Parce que atman, dans l'idée de corps, parce que la notion de corps, c'est quelque chose qui présente en entier, et encore une fois, c'est quelque chose qui présente en entier la personne. Ça s'appelle un corps. Par exemple, corps d'administration, c'est à partir du haut jusque le bas. Par exemple, le corps d'une entreprise, c'est le PDG jusqu'à la femme de ménage. Tout ça, c'est le corps. Parce que si vous retirez les femmes de ménage ou je ne sais pas, le surveillant ou quelqu'un comme ça, vous lui coupez comme si vous coupez un membre. Vous enlevez un membre de corps. Donc, encore une fois, le corps, en fait, c'est l'entité qui présente entièrement la personne. C'est pour ça que l'âme est aussi un corps. Okay? Par la suite, le corps est aussi un corps. Par exemple, ce corps matériel, on l'appelle sharira. Ça, c'est une autre notion de corps. Sharira veut dire c'est que l'âme se manifeste ou se présente à partir des éléments matériels et ça forme un corps. Ça, c'est mon corps. Et en général, par le mot Sharira, on utilise le corps qui est temporaire, en général, qui se manifeste, après il peut manifester sous une autre forme, encore une autre. Il y a un autre mot qu'on utilise aussi pour définir le corps, c'est anga. Mais anga veut dire aussi partie de corps. Quand est-ce qu'on utilise le mot anga pour définir le corps? Quand on dit que nous sommes une particule de Krishna, par exemple. Nous sommes une particule, c'est-à-dire nous sommes partie de son corps, mais cette partie de corps est un corps. C'est pour ça qu'on utilise le mot anga. Mais l'idée de corps, c'est quelque chose qui présente un individu ou quelqu'un. Ça, c'est le corps. Ça, c'est très important. Et les demi-dieux qui contrôlent ce monde matériel, en fait, ils sont les parties de corps. Ils sont anga de Seigneur Vishnu. Okay. Comment il devient les parties de corps? Parce que notre univers matériel, c'est un corps appelé Virat Rupa, ou Virat Sharira aussi, on dit, ou Virat Sharira. Okay. Le corps universel. Et chaque demi-dieu, en fait, fait partie du corps de Virat Sharira ou Virat Rupa. Je viens dans ce monde selon le contexte, selon le temps, les gens. Il y a pourquoi il ne vient pas toujours de la même manière, je dis selon. Oui, dans la Bhagavad Gita,
Krishna dit, quand je me manifeste dans ce monde matériel, je me manifeste en prenant en compte le lieu et les circonstances. Okay? Mais ça ne veut pas dire que quand il vient, il arrête d'être sponsor. Même s'il vient sous la forme d'un dévot, comme il a fait dans le cas de Sri Chaitanya, il est venu comme un dévot. Il jouait le rôle d'un dévot. Il ne jouait pas le rôle de Seigneur suprême. Mais même dans ces conditions-là, il restait Seigneur suprême. C'est-à-dire qu'il était toujours absolu. C'est pour ça que même quand il y a des conditions qui changent, il reste toujours absolu. Même si type de relation change, il reste toujours absolu. Parce que l'absolu, il comprend tout type de relation. Bon, par exemple, quand Krishna est venu sous la forme de Bouddha, quel était le but? De amener les gens vers lui. C'est le même. Quand Krishna a donné son Shakti, son énergie à Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu dans ce monde-là. Pourquoi? Pour le présenter. Pourquoi? Pour que les gens. C'est toujours le même. Peu importe les circonstances, il reste toujours Dieu, la personne suprême. Donc, c'est pour ça qu'il reste toujours absolu et pas relatif. Ça ne veut pas dire que si les circonstances sont différentes, donc je vais venir et je ne suis plus Seigneur suprême et le but sera différent. Le but est toujours le même. C'est pour ça que c'est absolu. Vous avez d'autres questions? Hare Krishna. Est-ce qu'on peut poser la question? Qui ne sont pas dans la salle. En fait, le nom de Jésus-Christ, c'est en fait une modification en français de Isha Krishna. Donc, c'est le nom d'initiation de Jésus-Christ. Donc, son nom était Isha Krishna et dans certaines langues, Jésus-Christ est prononcé comme ça. Je crois que c'est en portugais, c'est le plus proche, Isha Krishna. Je crois qu'en portugais, c'est le plus proche. Mais en Coran, si vous lisez le Coran, dans le Coran, il figure toujours comme Saint Isa. Toujours, donc ils ont gardé. Pourquoi dans le Coran c'était pas changé? Parce qu'en fait c'était la traduction en latin qui a changé parce qu'ils ont ajouté us. Isha est devenu Jesus et Krishna est devenu Christus. Okay. Voilà, c'est comme ça que c'est changé. Mais les peuples qui ont pris en fait le relais de christianisme et qui n'étaient pas le peuple latinique, on peut dire, mais qui prit directement des disciples de Jésus sans passer par une tradition latine, donc. Ils ont gardé Isha Krishna, Isha. Isha Krishna veut dire le Seigneur Krishna. Pardon? Ah.
Irina, tu peux poser ta question. Oui, je peux. Hare Krishna. Parce que je ne sais pas si vous nous attendez là-bas ou pas. Oui, on entend. Ok. Merci beaucoup encore. Et mes hommages à toutes les dévots dans la salle. Et j'ai une question par rapport à ce que vous avez parlé de conditionnel et pas conditionnel. Donc, amour pour Krishna non conditionnel et pour les humains conditionnel. Et j'ai une question par rapport aux relations parmi les dévots, parmi les fidèles, on peut dire. Comme on essaie quand même d'aller vers non conditionnel, quelle partie, par exemple, dans le couple de Bharti, par exemple, là, classique, quelle partie de non conditionnel et quelle partie de conditionnel? Parce que quand même, on utilise le support conditionnel par les compliments, par les stimulations, par les remerciements envers l'autre, un à l'autre. Donc, la question finalement, est-ce qu'on doit. Le but, c'est quand même faire des relations moins conditionnelles possibles et à avoir cette possibilité d'apprendre à aimer sans condition, non conditionnel, à cette manière comme on aime Krishna. Et est-ce qu'on a la chance de réussir ou pas ou, voilà, autour de ça, j'ai mal formulé, désolé, c'est trop grand, mais voilà, ma question, c'est que vous avez compris. Merci. J'ai compris. En effet, la relation entre les dévots, en fait, bien sûr, peut prendre la forme de bhakti, de service dévotionnel. Pourquoi? Est-ce que c'est une meilleure forme de bhakti? Donc Krishna dit dans la Bhagavad, dans Srimad Bhagavatam, dit que celui qui pense qu'il est mon dévot n'est pas mon dévot. Mais le dévot de mon dévot, le serviteur de mon serviteur, c'est mon dévot. Donc, ça, et plusieurs fois dans plusieurs livres, le service à un dévot est glorifié et c'est dit que servir un serviteur de Krishna, c'est plus performant, plus important et plus sucré que servir Krishna directement. Donc, si dans un couple, par exemple, prenons un couple, homme et femme, un couple qui est marié et tous les deux sont dévots, et si l'un sert l'autre, mais en prenant compte qu'il participe au service dévotionnel de son conjoint, ça c'est bhakti. Par exemple, la femme de ce couple fait un service dévotionnel et l'homme, consciemment, que ce que sa femme fait, c'est un service dévotionnel, lui aide, ça c'est du bhakti. Mais si l'homme essaye de gratifier l'essence de sa femme ou faire ses caprices, etc., qui n'ont rien à voir avec le service dévotionnel, ça, ce n'est pas un bhakti, c'est le contraire. Cette femme ne fait pas du service dévotionnel, et encore pire, elle attire son mari dans le processus de gratification de l'essence. Dans le couple, souvent, ça se passe comme ça. Voilà. Par exemple, le mari, la femme, l'un des conjoints, il s'engage plus en plus dans le bhakti, et l'autre conjoint commence commence à avoir une jalousie et il dit, voilà, tu m'aimes plus,
tout est Krishna, Krishna et moi, tu me laissais tomber, etc. Et commence à attirer plus en plus vers elle-même ou vers lui-même. Vous voyez, ça c'est une très mauvaise habitude et attitude. Si ça apparaît dans un couple, c'est quelque chose de grave et il faut faire une alerte. Parce que si, mais souvent, les cas les plus répandus, c'est plutôt les femmes en fait, qui commencent à freiner le parti de leur mari parce qu'ils veulent que cette énergie que le mari met dans le parti, il accorde à elle, elle commence à ruser, dire « Oh, je suis très fatiguée », etc. « Tu restes avec moi, je suis malade », des trucs comme ça. « Tu m'as complètement abandonné », ce genre de trucs, etc. Et le mari, etc. Mais ça peut se passer aussi, l'homme aussi, chose, mais bon, dans ma pratique, depuis ces 31 ans de ma vie dévotionnelle dans la conscience Krishna, je vois que les cas les plus répandus, c'est comme ça, quand la femme commence à devenir jalouse. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, ça commence même, elle commence à détester Krishna parce que Krishna lui enlève son mari. C'est à cause de Krishna qu'elle ne peut plus aller je ne sais pas où, elle ne peut pas dormir tranquille à la maison, elle ne peut pas aller voir ses parents, machin, etc. etc. Elle devient jalouse, elle commence à faire tout pour en fait arracher son mari de Krishna. Et des fois, ça se fait d'une façon, je dirais, un peu malhonnête ou mauvaise. Commence à servir son mari, mais pas aider le parti de son mari, mais servir le corps de son mari. Par exemple, il essaye de faire des beaux plats pour que son mari mange et qu'il soit plus attaché à elle, pour qu'il sache s'il ne va pas être gentil avec elle, il va perdre ce service, ou je ne sais pas, elle repasse ses vêtements et elle dit des mots gentils, etc. Elle l'embrasse, elle le caresse, etc. pour montrer, regarde ce que tu vas perdre si tu vas chez Krishna. Et comme ça, elle retient de plus en plus. Et si ça ne marche pas, elle peut employer d'autres méthodes. Par exemple, oh, je suis malade, oh, je suis fatigué, oh, ne me laisse pas seul parce que je vais mourir. Ce genre de trucs, etc. Donc, pourquoi j'explique tout ça? Ce sont des nuances, nuances dans le sadhana bhakti. Si, je reviens encore dans un coup, si nous servons notre conjointe, on doit être conscient que lui ou elle sont engagés dans le bhakti. Et ce que je fais, j'aide pour que leur bhakti soit plus. Okay? Ça, c'est une relation entre deux dévots. Mais quand on fait des caprices, on aide à gratifier les sens d'un autre, ce n'est pas un bhakti. C'est pour ça qu'on doit être très prudent et très attentif pour ne pas dérailler et aller dans une mauvaise direction. Merci, Hare Krishna. Je voulais savoir si d'avoir une telle femme, c'est aussi le karma de son mari. Et si c'est le cas, comment il faut agir dans cette situation? Est-ce que le mari doit trouver la force et de retirer donc sa femme de cette, on va dire, Donc, bien sûr que quand on
quand on arrive dans ce monde matériel et on a les résultats de karma, quand on se marie, c'est aussi notre karma parce que c'est nous qui avons fait un choix. On pouvait faire un autre choix et le karma serait autre. N'est-ce pas? Si vous choisissez un autre mari, ce serait un peu différemment. Ou autre femme, ce serait un peu différemment. Par exemple, il y a des dévotes qui se marient avec un non-dévot et après ils se plaignent. Vous avez fait ce choix-là. Ou par exemple, un homme qui choisit une femme qui est un non-dévote en pensant qu'elle va devenir une dévote, mais elle ne devient pas. Vous avez fait pas le bon choix. Ou le contraire, tous les deux sont dévots et après, un qui laisse tomber et va dans une autre direction. Toutes les versions sont possibles. Mais un qui est toujours conscient de Krishna, soit c'est l'homme, soit c'est la femme, s'ils sont conscients de Krishna, s'ils continuent à persister et insister dans sa pratique, leur conjoint, dans un moment, doit faire un choix. On ne peut jamais forcer quelqu'un à devenir un dévot parce qu'il suffit qu'on force, ce n'est plus de pacte. Pacte, c'est un choix. Un choix et un désir. Par exemple, moi-même, je peux me forcer. C'est pacte. Mais si quelqu'un me force contre ma volonté, contre mon désir de servir Krishna, ce n'est plus un pacte. Mais par exemple, moi, je peux me forcer à me lever le matin. Je peux me forcer à chanter avec Krishna. Je peux me forcer d'arrêter de boire du café, du thé, etc. Je peux me forcer. Ça, c'est du bhakti. Mais si quelqu'un d'autre me force contre ma volonté, c'est pas. Et ça, c'est une nuance importante. Et dans la relation, si on veut améliorer quelque chose, c'est que juste que notre sadhana doit être très, très ferme. Notre enthousiasme grâce à Sattu Sangha doit être toujours alimenté. Parce que quand on n'a pas Sattu Sangha, notre enthousiasme commence à devenir de plus en plus faible. C'est pour ça que chaque fois, après un satsanga, on a cette arrivée, cette vague d'enthousiasme qui arrive. Des fois, ça ne dure pas longtemps, parce que des fois, on voit les dévots qui viennent ici à Yoga Lyrique et ils repartent d'ici. « Ouais, je vais aller à la maison, je vais faire ça. » Quand ils arrivent à la maison, ils ouvrent. Le tamas qui est installé à la maison, là, ils disent « Ok, je ferai ça demain. » Et demain, ils se lèvent, en deuxième couche, deuxième vague de tamas, ils disent bon, « Je vais faire ça après, demain. » Et après, ils l'oublient. Et après, quand ils reviennent de nouveau à Yoga Lyrique, « Waouh !» De nouveau, il y a un enthousiasme. Et après, ils arrivent chez eux. Et après, le tamas arrive de nouveau. Pour que ça n'arrive pas, il faut faire des changements sur place. Pour cela, ils font inviter les dévots chez eux. Ça, c'est une pratique exceptionnelle quand on invite les dévots chez nous. Srimad Bhagavatam, les différents écrits, Sri Chaitanya Charitamrita, si vous lisez Sri Chaitanya Charitamrita, vous allez voir que en fait, inviter les dévots chez soi, c'est une pratique extraordinaire et exceptionnelle. Mais pas vous les invitez pour que tout le monde pense que vous êtes des bons dévots. Non. Vous les invitez pour les servir chez vous. Et chaque fois quand ils viennent, sachez que votre tamas de la maison qui est caché sous la table, sous le lit, etc., il commence à partir. Ça, c'est important. Bon, Hare Krishna, parce qu'on nous a fait le signe de Prasad. Maintenant, on va goûter ce Srimad Bhagavat Prasad dans toute sa merveille.
splendide. Ok, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.